C'est parti pour le premier groupe de cette journée. C'est la deuxième, le prix du Prince d'Orange. Réservé donc aux 3 ans, 2000 mètres à parcourir, corde à droite avec un bon départ d'Afandheim, le numéro 2 qui a pris la direction des opérations. Le troisième du dernier prix du Jockey Club, Recoletos, le numéro 3, est dans son sillage, en compagnie également du numéro 6, Plumatic, qui lui fait sa rentrée. Bay of Poets, le numéro 4, Kazakh Bleu, Toc Bleu, est en quatrième position. Wolfango, le 5, est à l'arrière devant l'as, Devamani. Afandheim, donc le numéro 2 qui a toujours le meilleur, monté par Grégory Benoît. Recoletos qui est en deuxième position côté corde. À son extérieur galope le 6 Plumatic, devant le 4 Bay of Poets, associé à Christiane Desmureaux. Wolfango, le numéro 5, est à l'arrière-garde, à environ 4 ou 5 longueurs à présent de la tête de course. Et en dernière position, toujours là, c'est Devamani. Le trio de tête n'a pas changé. Les trois premiers favoris aux trois premières places, à savoir le 2 Afandheim, devant Recoletos et Plumatic. Bay of Poets, le numéro 4, vient dans le sillage des premiers, devant le 5 Wolfango, hélas Devamani qui est toujours en dernière position. Le tournant qui est maintenant en vue pour l'animateur Afandheim, le numéro 2 qui voit presque revenir à sa hauteur, le numéro 3 Recoletos qui profite de sa place à la corde maintenant pour prendre seul le meilleur. En troisième position galope le 6 Plumatic, devant Bay of Poets, Wolfango patientant toujours en avant-dernière position, hélas Devamani qui est dernier. Ils vont sortir du tournant avec toujours Recoletos et Afandheim aux avant-postes. Plumatic qui est dans le sillage des deux premiers. Bay of Poets, le numéro 4, qui est en embuscade. Wolfango, lui, suit toujours en cinquième position devant l'as Devamani. Il reste environ 500 mètres à parcourir. Recoletos, le numéro 3, qui a le meilleur et qui attend les attaques. Celle du numéro 2, Afandheim, se fait de plus en plus menaçante. Plumatic, le numéro 6, qui est en troisième position et qui sort maintenant du sillage des premiers en compagnie de Bay of Poets, tandis que Wolfango et Devamani semblent battus. Recoletos qui repart maintenant à 300 mètres du but. Plumatic, le numéro 6 également, qui accélère à son tour. Afandheim qui est entre les deux, avec également Bay of Poets qui lutte maintenant pour les places. Recoletos qui a pris le meilleur devant Plumatic et Afandheim. Recoletos, le numéro 3 face au numéro 6, Plumatic. Recoletos qui va peut-être conserver le meilleur. Recoletos qui va s'imposer devant Plumatic dans ce prix du Prince d'Orange. Afandheim, le numéro 2, sera troisième devant le 4. Bay of Poets. Ce sera serré pour le succès entre le numéro 3 Recoletos côté colle avec Olivier Pellier et Plumatic qui lui a donné une très belle réplique à son extérieur. Il portait le numéro 6, le 3, le 6, le 3, le 6 à l'arrivée. Oh, je me suis photographie, vite, hein. La troisième place qui reviendra au numéro 2 Afandheim qui a fait un instant illusion, lui qui se classe à troisième des secrétariats. Quatrième place pour le Hongre Bay of Poets. Recoletos qui a attaqué Miguel dans le tournant.